Eh bien, bonjour à tous, alors c'est Python 44. On se retrouve pour un petit tuto, si je peux dire ça comme ça, sur un disque dur qui j'en possède un qui se nomme Western Digital VD800. Alors, ouais, je me suis procuré tout simplement pour vous le montrer. Alors déjà, je fais une vidéo tout simplement, bah, d'abord pour vous montrer ce qu'il contient dedans, pour vous montrer, bah, je trouve ça encore assez intéressant. Puis voilà. Donc je le tiens à préciser, alors pour les personnes qui veulent regarder les disques durs de ce qui contient à l'intérieur, dès que vous allez l'ouvrir, il ne sera plus utilisable, tout simplement parce que ben, tout simplement la poussière elle va rentrer dans le va se poser donc là-dedans et elle va ben, tout simplement être salie pour et puis elle pourra plus lire en fait. Donc je le tiens à préciser aussi que dès que vous allez visser les vis qui se trouvent qui sont visibles, faites attention parce que je crois que des fois, ouais, justement, comme ici, il y a une vis cachée qui est sous l'étiquette d'information du disque dur. Et puis, ben après, c'est bon, hein, vous l'ouvrez, hop, voilà. Et ensuite, vous avez devant vous alors le disque dur, enfin, la petite disquette avec ben, cette petite tête qui est pliée. Donc, aussi, bon, bah. Après plusieurs disques durs, si vous en avez d'autres, bah, il y en a qui ont plus de disques et tout, mais voilà. Ensuite aussi, bah, on peut voir sur le couvercle un petit sachet. Alors tout simplement, ceci, je sais pas si vous verrez, il y a des petites billes dedans, c'est comme un filtre si vous voulez. Ouais, c'est un petit filtre qui permet bien sûr de rentrer un peu d'air, mais sans qu'il y ait de la poussière. Et donc si le sachet est noir, c'est-à-dire qu'il y a de la poussière qui est rentrée dans le disque dur. Alors aussi, comment cela fonctionne? Ben, tout simplement, ben, dès qu'il recherche, l'ordinateur recherche des informations, il va tourner en sorte de rechercher. Et puis, on voit que c'est ouais, c'est comme un miroir, hein. Ça reflète. Donc, il y a des codes là-dessus sur ce disque qui est 1, 0, 1, 0, aléatoirement de 1 à 0, enfin pas aléatoirement des données. Et ben, justement, cette tête est mobile. Pas comme les SSD où il n'y a aucune pièce mobile. Ensuite, attendez, je sais pas si j'arrive à enlever, j'avais déjà vu ceci qui est très aimanté. Je sais pas si j'arrive, hein. Ah, voilà. Ben, tout simplement, voilà. Ouais, il n'y a pas vraiment d'intéressant, mais c'est juste pour se dire, c'est aimanté. Et puis, c'est vraiment bien aimanté, hein. C'est, voilà. Donc, après, il y a encore bien sûr plus de choses. D'ailleurs, attendez, je vais vous montrer d'autres trucs. Donc, que j'ai retrouvé, ben, encore un disque qui est, défoncé, voilà. Ensuite, ben ici, la tête qui est, vous voyez, de plusieurs espaces, en fait, tout simplement, car celui-là en possédait, je pense, trois. Entre les deux trucs. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais oui, ça c'est un processeur aussi qui a rien à voir. C'est un Intel Pentium 4 de 2,40 GHz. Ok, ben, il a moitié plié, je sais pas si vous verrez. Oui, je me suis amusé, je crois, à le plier. Donc voilà. Donc si jamais ça, ouais, c'est exactement le même, sauf un peu plus différent. Voilà, c'était ben, une toute petite vidéo, tout simplement pour vous montrer un truc. Bon, je vous ai dit à base, mais encore bien beaucoup plus de choses. Mais bon, après, voilà. Bon, alors à plus tout le monde, et puis on se retrouve certainement pour d'autres tutos, où on verra, ok? Alors à plus tout le monde, et n'hésitez pas à regarder d'autres vidéos sur ma chaîne.